Nelson on this. Alors les gens me disent David Kitz, dis-nous pourquoi ta coupe est excello. À cause de ma coupe de cheveux, y'a des gens qui voulaient pas m'écouter, mais bon, en crise, je suis obligé d'exceller. Les lox, moi j'ai jamais dit que c'était un péché. C'est juste qu'il y a certains endroits où ça m'a empêché. Et comme le Seigneur voulait que j'aille à tous ces endroits, et quand je le faisais pas, le Seigneur était fâché. Alors toi qui écoutes ce son, ne crois pas que je les ai coupés pour les hommes. Ça fait des mois qu'on me le disait, mais moi j'écoutais personne. Il a fallu que le Seigneur me parle et qu'il parle hyper fort, pour que dans l'évangile je comprenne qu'il faut que je performe. En plus de ça, c'est maintenant que je me trouve plus beau. Ça fait bizarre de pas voir des rastas à travers le hublot. Maintenant que j'ai soigné la forme, je crois que je suis prêt à aller dans tous les endroits et à lâcher le fuego. Et de base, c'est mon bail, donc je suis pas censé m'expliquer. Mais bon, je préfère pour que les gens soient pas dans l'interrogation. Et même sans mes cheveux, je sais toujours qui. Et même sans mes cheveux, je suis beau et je peux prêcher l'évangile à fond. Il faut que je carbure, je fais des swaton bomb, t'as Jeff Hardy. J'ai une question à poser aux religieux. Est-ce que je ressemblerais au Jésus que vous aimez si j'étais barbu? Quelqu'un dise aïe aïe aïe, que quelqu'un dise amen, que quelqu'un dise aïe aïe aïe, et que quelqu'un dise aïe aïe aïe, que quelqu'un dise amen, que quelqu'un dise aïe aïe aïe, que quelqu'un dise amen. Nelson on this.